Sur les mecs. Allez dans la rue et demandez aux gens ce qui les obsède dans la vie. Garçon, fille, on va voir si c'est facile d'assumer ou de savoir simplement ce qui nous fait vibrer. Et vous les gars, vous avez vérifié votre fil d'actualité Instagram? Il suffit d'aller sur la loupe et vous verrez ce qui vous obsède vraiment dans ce monde. D'accord? Dans ce putain de monde. L'algorithme Instagram est encore plus fort que nous pour savoir ce qu'on kiffe. Il suffit de cliquer sur la petite loupe en bas et suivant les images qui apparaissent, on sait donc ce qui retient le plus notre attention. Regardez le mien par exemple. De la bouffe, des belles femmes, des culs énervés, de la muscu et un tout petit peu de manga animé. Vous aussi, vous pouvez faire le test chez vous et vérifier. Ou bien même tester quelqu'un de votre entourage. Mais c'est pas avec ton daron, il va te mettre deux taquets là. On va pas se bagarrer pour ça, c'est une connerie. Cloche, like, inspecteur, be like, stuff la casquette de policier et on y va. Ok les amis, nous sommes avec... Liam. Enchanté Liam, moi c'est Mika. Liam, j'ai une question, est-ce que tu es honnête? Oui. Oui, très honnête. Je voudrais savoir, dans ce bas monde, qu'est-ce qui t'obsède le plus? Mon travail. Ton travail? Ouais. Tu es sûr? Non. Pas la nourriture, les hommes? Non, la nourriture, ouais. La nourriture. Ok, détecteur de mensonges, ce qu'on va faire, c'est que je vais te demander de nous montrer ton fil d'actualité Instagram. Okay. Et on va vérifier s'il y a bien de la nourriture dessus. Allez, c'est parti. Il équipe les lunettes, inspecteur Bilike, s'il vous plaît. Pierre Richard Belmondo. Attends, vas-y, c'est mon métier. Tu vas troquer et on descend. Mais non. Ah oui, de la nourriture, exact. Bah, il y a un peu de merde, hein, mais... Moi, je vois beaucoup de mèmes. Peut-être que ce qui t'obsède dans la vie, c'est l'humour. Peut-être. C'est l'humour. Ben écoute, j'ai un grand sens de l'humour, personnellement. C'est vrai? Tu peux me laisser ton Instagram, du coup? Ben quoi, les gars? Ben, il est là. Allez, super. N'hésitez pas à rajouter un maximum Liam qui a été vraiment honnête, sauf sur le fait que ce qui l'obsède vraiment dans la vie, c'est les mèmes. Elle a pris du temps pour nous, un maximum de likes pour elle. Même c'est moi qui vais en bénéficier. Allez, next! Ok, les amis, nous sommes avec... Guillaume. Et Eva. Enchanté les amis, aujourd'hui je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes honnête? Ouais, je crois. Hein. Bah ouais. D'accord, la question est simple. Qu'est-ce qui vous obsède le plus ici-bas? C'est une bonne question, j'aimerais bien savoir. Hein. Mais je pense à la musique. La musique? Dans la vie? J'ai pas entendu. L'art, je dirais. L'art? Et c'est ce qu'on va vérifier. Inspecteur Boudjelike, s'il vous plaît, je vous invoque. Donc monsieur Like qui équipe les belles lunettes. Donc ici on a quoi? Attends mais... Attends, je vois pas ce qui... Donc toi c'était la musique, d'accord? Ben on voit quand même qu'il y a des guitares, on voit... Il y a du tatou aussi, ouais. Il y a du tatou, on voit du manga, ouais. Tu aimes les animés. Ouais, ça c'est du Maiden. Ah ouais, c'est... un groupe de métal, ça. C'est un groupe de métal. Bon mais franchement, vous dites qu'il est honnête, moi perso je le trouve honnête ce gars. Franchement, oui, oui. Effectivement, ce qui te passionne c'est la musique. Maintenant madame, qu'est-ce qu'il y a sur son fil d'actualité? Voyons ça, de plus près. D'accord, il y a quoi, dessus? Eh bien écoute, donc il y a des mangas, allez, vas-y, fais la vérification. Il y a des mèmes. Ah mais finalement les filles elles regardent que des mèmes. Je pensais que les meufs elles regardaient que des mecs. Mais non en fait, elles regardent que des mèmes. C'est la deuxième fille qu'on interroge qui regarde des mèmes. Mais je passe mon temps sur une gag en vrai, donc Donc voilà, en fait ce qui te passionne c'est l'humour. Ouais, bah l'humour et l'art quoi. Enfin, l'humour tout le monde aime ça, non? Like from the Crispies. Bien évidemment pas mon cousin, donc voilà, je suis comme Coluche, donc au final moi mon but, dans l'objectif dans Marseille, je donne des sous à des personnes qui sont en galère, parce que c'est vraiment un plaisir pour moi, c'est de faire des hassanettes. Après en retour tu auras toujours des bons trucs, sans retour, il faut toujours aider le monde, c'est comme ça, c'est vraiment une question de caractère, de personnalité. Ok les amis, nous sommes avec... Aliakin. Océane. Toi tu as un gros mytho. Non, je te jure, je m'appelle Aliakin. Aliakin, ouais. Dégaine là, on dirait un nom japonais. Je vais vous poser une question. Ouais. Qu'est-ce qui vous obsède le plus dans la vie? Les culs. Bon, moi, c'est honnête, mon pote. Bah ouais, les femmes. Le shopping. Le shopping, les habits. On va passer au détecteur de mensonges. Du coup, je vais vous demander de montrer votre fil d'actualité, la loupe Instagram, pour vérifier si ce que vous avez dit, c'est vrai. Toi, je pense que c'est vrai. Hein. Ah, on verra. Ah, attends, frère, monsieur police, mais. Ouais, c'est le lieu de charme, ça. Attends pour moi. On va inspecter les lieux, on va inspecter. Hein. C'est bon, là, je suis allez. Sur la loupe. C'est la loupe. Allez, attends, je mets les lunettes de vue. Mes lunettes de vue. Bien sûr, bien inspecté. Inspecte. Hop. Alors, on voit un peu. Ouais, descends un peu. D'accord, mademoiselle, s'il vous plaît, regardez un petit peu. Bon, ça va, rien à dire. Rien à dire, franchement, 100%. Bon, mais ça va.
Ça va, et le saucisse, c'est bon, impeccable. Des femmes, du foot. Et pas de tout. C'est bon, hein. Ouais, franchement, écoute, tu vois, ben, c'est pas vraiment le cul qui te passionne, c'est plus le foot. Mais ouais, mais c'est normal. C'est non, mais tu vois, il y a le foot. C'est logique. Le foot et les femmes. Si t'as les deux. Ah voilà, champion du monde. Je vais te dire un truc, un proverbe, les femmes c'est comme un pénalty, tu tires, t'es chance de marquer, c'est comme ça les femmes, c'est comme un pénalty les femmes, franchement. Et toi c'est pas vraiment les habits, c'est les ouais, mêmes c'est tout, les hommes. Ah oui, y a... non, y a pas d'homme, ouais, tu vas la mettre dans la sauce après. Non, moi y a de tout. Non mais les gars, on n'a pas réussi à trouver quelqu'un qui dise ouais, moi c'est les habits, d'un coup il y a tarpin de mec ou alors il y a tarpin de meuf. Ah, c'est pas grave, on continue, on va rigoler. Ok les amis, nous sommes avec Walid, Jenny. Enchanté Walid et Jenny, moi c'est Mikey. Aujourd'hui, enchanté, Mikey. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes honnête déjà? Je suis honnête. Bien évidemment. Bien évidemment, ce soir. Donc la question est simple, qu'est-ce qui vous obsède le plus dans la vie? Wow, ce qui m'obsède le plus. Ouh. Franchement, je dirais la boxe. La boxe, et toi? L'argent, on peut tout faire avec. L'argent. D'accord. Donc, si mes calculs sont bons, on devrait voir des combats sur son fil d'actualité Instagram et on devrait voir des voitures de luxe sur son fil d'actualité. Donc c'est parti, messieurs, dames, sortez vos Instagram et montrez-moi la loupe. Boudjema, inspecteur, s'il vous plaît. L'inspecteur Bill Like. T'as activé? Ah, ben c'est nickel ça, Boudjema. Allez, filme le zoom la tête. Alors, okay, effectivement, attends, oui, il y a du combat, il y a des rings, il y a de la bagarre. Alors, oui, il y a des baskets. Des baskets. Tu veux que ton copain t'offre des baskets, du coup. Bah voilà quoi, y'a pas de voiture de luxe. Elle a dit l'argent au cas où s'il y avait des voitures de luxe peut-être. Au cas où. Donc effectivement, il a pas menti, regardez. Vous voyez, il est passionné par la boxe. Ah, franchement, c'est pas l'algorithme, qu'est-ce qui fonctionne bien sur Instagram? J'ai pas Belmondo, tu le connais alors au final. 1933, c'est un boxeur, il fait tout le film Las Desas, il fait Joyeuse Pâques, il fait tous les films comme ça. Franchement, c'est meilleur. Mais tu es né en quelle année, Boudjema? En 93, oui, j'ai 27 ans. Mais comment ça se fait que tu regardes Pierre Richard et Belmondo? Je suis quelqu'un d'ancienneté, ma grand-mère m'a élevé, donc au final, je connais tout, tu vois, je te dis. Moi, je suis quelqu'un de carré, j'ai une personnalité forte, donc je connais tous les anciennetés comme maintenant. Il y a même les films de maintenant, c'est de la merde, il y a que des gros mots, que de trucs sales, c'est vraiment n'importe quoi, comme on dit. Tu peux tenir ça? Ouais, je vais tenir ça. Merci. Bravo. Merci. Franchement, bravo. Merci pour ce discours. Bah écoute, toi, tu aimes rien en fait. C'est trop n'importe quoi ton fil d'actualité. Ça, c'est n'importe quoi. Il y a des chaussures. Il y a. Voilà quoi. Est-ce que c'est pour les ânes la télé-réalité? Pour les hommes. Les ânes. Les ânes. Non. Franchement, moi, je regarde. Donc, non. C'est une âne. Vous voulez savoir ce que je pense de la télé-réalité? Je pense que c'est vraiment le truc dopamine au maximum. Tu regardes une scène, il y a un tété et des fesses. Tu regardes l'autre scène, il y a des gros pecs et des abdos. Ouais, c'est de la dopamine en bouteille, mec. Ouais, c'est obligé d'être consommé. Clairement. Des fois, je passe devant la télé, je suis là, pendant 5 minutes, en train de regarder les gros boules. Maeva Genam et tout, là. C'est du divertissement. C'est quand on s'ennuie. Ouais, mais... Exactement. Et n'oubliez pas que le divertissement, c'est ce qui permet à l'homme d'oublier qu'à la fin de la vie, il y a la mort. Bravo, franchement, même moi j'applaudis. Franchement, j'applaudis. Bravo à toi. Voilà, monsieur, applaudis. Bon, vous m'avez saoulé, on y va. Merci encore, c'est gentil. Hein. Ton prénom? Walid. Walid, ça va. Wahran, toi, tu es d'où toi? De Chlef. Ah, moi Wahran, mon Gambetta, mon père, ouais. Ah, ouais. T'as vu? Je viens pour un Comérien sénégalais. Ouais, tu m'aurais pas dit, j'aurais pas pensé. Eh oui, non, Wahran, 100%, mon Walid. Ex. Voilà, c'est bon. Je me rappelle, j'ai tellement des abonnés qui me parlent et tout, ils veulent me voir et tout, ils me demandent de l'aide aussi. J'ai dit, ah, c'est bon, j'en me saoule après. Tu fais la star. Qu'est-ce star? Il fait trop la star, ouais. Il y a trop d'abonnés qui me parlent et tout. Hein. Sors de quoi? Il n'y a rien du tout. Je me dis, les Marseillais, ça va. Je connais bien Paga, Antonin, Tanchi. Ok, à la limite, ça va, mais sinon, moi. C'est juste. Moi, je suis Atata. Moi, je suis Tortoise. Moi, j'ai un mec à Nouarou. Je sais rien, moi. C'est pas là. Tortoise. Voilà. Un tout, là, t'as compris? Voilà, ça y est, tu vois.
Ah là là, ces arabes, je comprends rien, mais c'était marrant en tout cas. Ah merci, mais je suis né avec une Nexo. Attends, purée Nexo, je suis né dans les chocolats, purée carré, l'étoile. C'est pour ça que je suis une étoile, je suis quelqu'un, vraiment une star phénoménale. Chocolat, calisson d'ex. Attends, on va zoomer, le beau visage que j'ai, on va aller tout ça. Ah, ça bat les couilles, le charme, regarde, zoom bien. Ah, tu me reçois, émetteur, récepteur, émetteur, le charme, le charme. Il fait la star. Eh ben franchement, gros respect à ce gars-là, parce que moi, si j'étais avec ma copine, mon pote, j'aurais pas fait le test, bordel. Ah, il vous plaît le body time? Voilà, body time, les amis, bien évidemment, oui, ce soir, n'hésitez pas à aller dans la description. Body time. Réduction pour body time avec le code Solid Mike ou je sais plus quoi. Vous regardez dans la description, de toute façon, il y a tout. Tout y est. Allez vous fournir en vêtements. Les achats ne s'arrêtent plus. Et vous aurez la classe, vous inquiétez pas. Ok, les amis, nous sommes avec Théo, Corto, Raphaël. Ok, Raphaël, moi je m'appelle Michael et je suis enchanté de vous rencontrer aujourd'hui, les amis. Est-ce que vous êtes honnête? Franchement, je sais pas, on verra. En vrai, ouais. Ouais, tarpin. Ok, on a un mec, il est honnête, l'autre il sait pas, l'autre il sait plus. Les gars, il faut pas dormir, hein. J'espère que vous êtes pas comme ça que les gars disent, hein. Bon, alors, qu'est-ce qui vous obsède le plus dans la vie? Franchement, je sais pas. On me pose cette question maintenant, je sais pas. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Beaucoup de gens ne savent pas ce qui les obsède dans la vie. Je vous invite à faire le test chez vous, les amis. Donc, toi, qu'est-ce qui t'obsède? Je sais pas, moi je dirais les meufs en vrai, ça va. L'argent, ça. L'argent! Glace Corleone qui aime l'argent. Non, je regarde. Non, c'est ça qui m'a fait penser à Fritz Corleone. On va vérifier si c'est vrai. Toi, tu sais pas. Toi, c'est les femmes. Ouais. Toi, c'est l'argent. Ouais. C'est logique. Mais moi, c'est comme ça. Montre-nous ton fil d'actualité Instagram. Inspecteur, s'il vous plaît. Bougez like police. Hop, alors, voyons, voilà, évidemment, ce soir. Alors, c'est plutôt la loupe qu'on veut voir, nous. La loupe. Allez, c'est la loupe. Oh là là. Ouh là là, ouh! Oh là, alors, ouh! Putain, qu'est-ce que c'est ça? Des Dracula! Oh non! Waouh! Vas-y. Bon, il y a un peu de tout, hein, il y a des trucs. Ouais, c'est varié un peu. Il y a des godes michés, il y a des femmes, c'est bizarre un peu! Non, je rigole pas, ouais. C'est varié. Après, c'est varié. Allez, toi, tu dis les femmes, on va voir. Attends, mets la loupe. Attention, on va bien inspecter les deux et tout là au niveau de gaz de la paix niveau 5. Là, y'a rien là. Voyons ça, Vincent. Oh, y'a aucune connexion, mais rien de connexion. Lui, comme c'est les femmes, regardez comme je suis concentré. Mais qu'est-ce que moi, quoi, mais rien de connexion 4G, ça fait pas laisser faire ou quoi, Orange là? Bah, mets-nous la maison, c'est pas grave, mets-nous la maison. Merlich, mets-nous la maison. Merlich. Bah, il nous met la maison, qu'est-ce que c'est ça? Oh putain, oh mes yeux, ça te sautait mes yeux là. Waouh, qu'est-ce que c'est ça? Il saute mes yeux là. Oh putain, toi, tu feras pas le quart toi aussi, hein. Allez, on va voir la loupe. Allez, ce soir, allez, on va louper. Putain, merde, ils ont niqué le plan. Attends, bravo la team Joule. Je vais faire le tournage, 1%, c'est passé. Oh putain, tu nous as mis dans la sauce. Oh putain de merde. Oh, ce soir, ça y est, j'avais marre. Visuel, c'est la dernière fois que je fais une tournage avec lui, ma parole, c'est un fou. Allez. Bon, du coup, Corleone. J'ai pas fini, mec, excusez-moi. Allez, on reprend. Bon, allez, t'as la soft-batte. Oh là là, t'as tout, je t'apprends l'argent aussi, moi je connais. En fait, t'aimes le rap, en fait, t'aimes pas vraiment l'argent. T'as pas Charazanvour aussi? Tu l'as aussi ou non? Tu l'as pas? Mais non. Tu l'as pas, non? Mais ouais, y'a que des chaussures, moi. Ça va, ok. Tu sais, y'a des chaussures et du rap, bah finalement, tu as été influencé, mon pote. Qu'est-ce que vous foutez au milieu là? Qu'est-ce que vous foutez au milieu là? La caméra, elle est là, regardez. Oh, qu'est-ce que vous foutez? Allez, hein? Merci. Alors, mon ami, allez, non, pas fini. Trop, j'ai pas la doigt, j'ai zappé, ça y est. Moi, je parle comme ça, moi, vas-y, allez. Oh, rigolez pas, les gars. Y'a des pères, y'a pas autre chose là? Tu prends pas quoi? T'as d'autres dossiers? Tu prends vraiment pour un noir, toi. Vas-y, montre-moi ça. Allez, vas-y. Des côtés, ça fera plus d'animation. Marron chaud, allez, venez nombreux, allez, marron chaud, s'il vous plaît, allez, venez, c'est chaud. Donc, ils sont à 4€, 250 grammes et tout, 8€, c'est 150 grammes, venez donc nombreux, il n'y aura pas de soucis. Et donc, il suffit là, oh putain, elle est là. Oh putain, allez, je connais une copine à moi, oh putain, zoom là, oh putain, elle est là, viens là, Alexandra, viens là, oh, là oh putain, oh là là, où tu vas, mais si, hein. Les gars, c'est la fin de cette vidéo, je veux un maximum de likes pour bouger, like si vous voulez un épisode numéro 2, n'hésitez pas à aller dans les commentaires et à me le dire, à me le faire savoir. Qu'est-ce que tu as à dire? Ce que j'ai à dire, ben comment c'est le feu là, on va tout dégainer, franchement, vous allez vous régaler, allez, bon visionnage de la part de Bouger Like, et n'oubliez pas de vous abonner à 10 personnes de votre choix de Facebook, il faut vraiment maximum de lacs, les enchaînes ne s'arrêtent plus, on continue à liker au maximum, mieux que le Big Bang, mieux que le soleil, mieux que le voilà quoi, le planète Saturne. Petit comme ça, vas-y, je suis petit.
Ah, là, on est mieux. Là, il est pas si petit que ça, Boudjelaï. Il met 84, 70 kilos, donc on est là, on continue. VTC, jour d'actualité, cours d'agent de sécurité. Bref, vous connaissez bien le concept. C'est parti, et on continue à liker. Et pour ceux qui me posent souvent la question, je fais 1m89 pour 100 kilos. Reste solide. Et la vie sera pour toi un film de cuisses. Peace.